Ouais, 8-12, c'est presque en dessous de 8-10. Alors, après, moi, personnellement, je suis content. Après, Etienne, je pense aussi qu'il est content, 8-19. Ouais, on commence par Baptiste. Bah, puisque vous étiez tous les deux les deux principaux de ce 3000 de sélection là. Baptiste, finalement, t'as réussi à avoir le meilleur pression en dessous de 8-10. Ouais, 8-12, c'est presque en dessous de 8-10. Alors, après, moi, personnellement, je suis content. Après, Etienne, je pense aussi qu'il est content, 8-19. Parce que je pense qu'avec. Bon, après, je pense qu'avec ça, on peut passer tous les deux. Alors, Etienne, au championnat de France de cross, t'étais largement devant. Bon, par contre, en revanche, s'agissant du 3000, là, c'est toujours un peu à égalité avec Baptiste. Là, là il a été très très solide parce que quand le lièvre s'enlève au 1500, il a réussi à tenir. Moi derrière là, j'avoue que cet été c'est un peu compliqué. Donc je suis vraiment content d'avoir, je sais pas si c'est 8-18 ou 8-19 à l'arrivée. Je suis quand même content, ça confirme un peu mes progrès. Mais la prochaine fois j'essaierai d'être un peu mieux pour venir l'aider. Parce que là, tout seul, c'est déjà très très solide du 8-12. Hein. Alors Baptiste, pendant la course, il y avait Chris, il avait failli faire le lapsus de dire steeple. C'est vrai que toi en plus on te connaît sur le steeple, là, sur le plat c'était autre chose là. Ouais, cette année j'ai fait le choix de refaire du plat parce qu'en première année j'avais fait le 1500 et puis voilà, je pense que j'ai un petit peu plus à gagner sur le plat pour ensuite revenir sur le steeple. Enfin voilà, je sais pas l'an prochain ce que je ferai encore, mais cette année bah c'est du plat. Tu vas pas reprendre le steeple cette année? Non, du tout, cette année je fais l'impasse sur le steeple, puis voilà, on verra l'an prochain, mais pour l'instant j'y suis pas du tout encore. Et Etienne, toi toujours sur 3000 plats? C'est ça, 3000 plats là. Et la semaine prochaine à Carquefou sur 5000. Donc on verra ce que ça donne. Hein. On va essayer de bien récupérer d'ici là et partir sur les bases de 14-10. On verra bien. T'es en train de la sélection sur 5000? Ouais, c'est pour ça à Carquefou là. Donc on va partir sur 14-10 les minima. Hein. On part pas pour faire 14-30. Donc faut tenter. Des fois, si on tente pas, on n'y arrive pas. Hein.